Hello tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On est lundi le 10 janvier, je vais vous installer juste ici. Début d'une nouvelle semaine, donc début d'un nouveau vlog. Plan de match aujourd'hui, je dois absolument, c'est non négociable, j'arrête de repousser ça, mettre à jour mon CV et envoyer des CV. Je repousse ça depuis que je suis arrivé à Montréal, donc depuis une semaine, même plus, pour aucune raison. On dirait que ça me stresse de genre me trouver une job, parce que là c'est plus genre... une job étudiante, mettons que je vais faire juste l'été, ou une job comme pendant l'école. C'est plus comme ma job de vie, là. J'essaie vraiment de trouver une job que je vais comme vraiment aimer, que je vais vraiment être bien, puis que je vais garder longtemps, là. Comme je vais être là plusieurs années. C'est vraiment ça mon but. Fait qu'on dirait qu'à cause de ça, ça me cause un énorme stress. Mais comme, il y a rien de stressant, là. Si j'aime pas ça, je peux partir, puis comme trouver d'autres choses. C'est vraiment juste dans ma tête. C'est ce avec quoi je vais commencer ce matin. Comme ça, ça va être fait. Puis après ça, cet après-midi, j'aimerais ça aller au Dollarama acheter des genres de... je sais pas, peut-être des bacs. Genre deux bacs, deux petits bacs pour mettre sur ma table dans mon entrée. Parce que là, toutes mes tuques, mes gants sont genre pêle-mêle sur cette table-là. Fait que c'est vraiment pas pratique. Fait que je pense que comme deux petits bacs de rangement, un pour les mitaines puis les gants, un pour les tuques, pas foulard, mais plus bandeau, cache-cou. Ça serait comme pratique. J'ai vraiment le soleil d'en face. Mais ouais, je pense que ça pourrait faire une belle job. Après ça, j'irai en ski de fond. J'ai regardé sur le site là, qui dit comment sont les pistes de ski de fond. Puis hier, ça disait que les conditions étaient bonnes sur le Mont-Royal. Fait que je pense que je vais aller là-bas. Si c'était bon hier, ça doit être bon aujourd'hui parce que c'était hier qu'il faisait pas beau. Il y a juste l'heure que je sais plus c'est quand. Ah, c'était hier matin par contre. Ah non, c'était ce matin. Le 10 à 6h05. Fait que ce matin, ça disait que... c'était ouverte, pas travailler mécaniquement, mais que les conditions étaient bonnes. Fait que dans le fond, c'est là que je vais courir l'été. Fait que ça pourrait être le fun d'aller voir en ski de fond de quoi ça a l'air. Puis après ça, m'entraîner, finaliser l'upload de la vidéo de demain, qui est déjà sur YouTube, mais il me reste ma miniature à faire, puis les derniers petits trucs. Fait que ça devrait ressembler à ça, ma petite journée. Je vous apporte avec moi. J'ai envoyé mon CV à quelques endroits qui m'intéressaient. Là, je vais dîner, il est rendu 1h, puis j'ai pas full faim parce que j'ai déjeuné quand même tard, fait qu'il me reste un fond de cette soupe-là. Puis je pense que je vais genre manger des petits craquelins avec ça. Avec la petite guac. Ça va être ça mon petit dîner. J'ai pas très faim. Je vais manger ça, puis après ça, commission du Dollarama. Pour organiser tout ça. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air dans l'entrée, là. Juste pour mettre des images sur ce que je dis. Fait que dans le fond, ça ressemble à ça, là. C'est vraiment le chaos et des masques au travers de ça. Il y a mes casquettes ici, que ça, ça fait quand même bien. Je pensais mettre une genre de tablette là pour mettre ça, mais tu sais, je me dis s'il n'y a pas de bac, ça va revenir pêle-mêle comme ça. Fait que je pense que juste deux bacs, que je mettrais un là, mitaine dans un, comme je disais, truc dans l'autre. Ça fait vraiment de quoi de beau, parce que c'est vraiment le chaos, là. C'est tout mêlé, là. Fait juste organiser ça un peu. Ça fera pas de tort. I'm back. J'ai pris un cadenas pour quand je vais retourner au gym. Puis comme je disais dans un des précédents vlogs, genre avant Noël, j'étais allé voir à la pharmacie. Puis ce même cadenas-là, genre la même sorte de cadenas, c'est genre 7 ou 8 piastres. Puis lui, il était à 2 piastres. La crosse. Puis j'ai pris deux bacs comme ça. J'ai pris des noirs, vu que ma table est noire. Il y avait des blancs aussi, mais je pense que noir, ça va comme... je sais pas, ça va moins... genre moins clashé que blanc. Tu sais, blanc, ça aurait pas été grave non plus. Mais quand j'ai vu les noirs, je me suis dit, pourquoi pas. Fait que je vais installer ça ici. Je pense que ça va prendre pas mal toute la table. Mais c'est pas très grave. Au moins, ça va être organisé. Ok, fait que juste ça, ça fait un vraiment bon changement. Dans ça ici, j'ai mis gants mitaines, lunettes soleil, mes trucs de course, mon brassard, lampe frontale. Voilà, puis dans celui-là, tout ce qui est tuc, cache-cou. Ici, j'ai laissé mes clés là. Les masques ici, ma carte de lavage pour la buanderie. Fait que tu sais, c'est vraiment comme un peu mieux organisé. Ça dépasse un peu, mais c'est parce que si je les mettais dans ce sens-là,
ça prenait toute la largeur de la table. Puis il y avait genre un petit gap ici, mais comme pas assez pour mettre quoi que ce soit. Faut que j'aurais même pu en prendre trois, en mettre un troisième là pour mettre ça puis ça, mais... Je pense que c'est correct comme ça. Là, c'est juste... Ça se tient mieux, c'est que là aussi ça tombait tout le temps à terre, ça faisait genre une grosse pile. Fait que comme ça, ça fait bien du sens. Dans un banc de neige. C'est ok, je suis sorti du banc de neige. Je vais baisser le chauffage, j'avais parti mon auto de chez... J'ai un démarreur à distance, puis quand je le parque, il y a comme un certain endroit, parce que l'hiver, il y a vraiment moins de monde qui parque leur auto dehors que l'été. Je pense que le monde, ils prennent le stationnement souterrain, parce que c'est moins de casse-tête. Puis justement, ton char n'est pas comme au froid, t'as pas besoin de pelleter, etc. Mais moi, je le prends pas parce que c'est 150$ par mois. Fait. I'm not that rich. Fait que là, qu'est-ce que je disais? C'est ça, quand je pars mon auto à un certain endroit, comme assez proche de mon building, je peux le partir de mon appartement, mon char. Fait que ça, c'est pas pire. J'arrive puis il est comme réchauffé. Puis c'est meilleur aussi pour le moteur et toute la mécanique de l'auto que, genre, partir avec quand il est froid. Je m'en vais en ski, mesdames et messieurs, sur le Mont-Royal. Mon Dieu, comme mes roues sont pleines. Sur le Mont-Royal, puis il fait vraiment froid, encore une fois, aujourd'hui. Hier, il faisait genre, il pleuvait, ben dans le fond, il pleuvait. Puis aujourd'hui, on est back avec le froid, il fait moins genre 17 ressenti. Fait que je me suis bien habillé, je me suis habillé comme la fois que je suis allé avant hier. Dans la fois que j'étais en ski, dans le fond, je me suis habillé pareil, j'ai emmené mon cache-cou. Je vais prendre mes grosses mitaines, puis je devrais être correct, parce que je pense qu'il faisait plus froid l'autre fois. Puis sur le Mont-Royal, c'est un peu plus dans le bois que dans le parc Jeanne-Mance. Fait que le vent qu'il y a, je l'aurai probablement pas, ou en tout cas un peu moins que dans le parc Jeanne-Mance. Fait que voilà, je vais essayer de filmer un peu plus pendant, mais comme je disais, c'est un peu impossible, parce que j'ai besoin de mes bras. Fait qu'on va essayer de figure out quelque chose. Puis là, j'imagine que me stationner aussi, ça sera pas trop compliqué, étant donné qu'on est un lundi. Il devrait pas avoir tant de monde que ça sur le Mont-Royal. Il est vraiment plus tard. Je me prête à aller me coucher. Puis il faisait tellement froid en ski là. Finalement, j'ai essayé sur le Mont-Royal, mais c'était à la bonne glace parce que le chemin, tu sais, qui monte jusqu'au Mont-Royal, c'est comme déblayé, déneigé. Fait à cause de la pluie qu'il y a eu hier, ça a vraiment viré comme à la glace. Je sais pas pourquoi ça disait que les pistes étaient belles sur le site, mais c'était complètement faux. C'était vraiment pas beau. Peut-être que ça devenait plus beau en continuant, mais il y a comme un bout qui avait même plus de traces comme de ski. Il y avait juste de la glace. Genre de la neige glace. Fait que j'ai juste comme viré de bord, puis j'ai traversé au parc Jeanne-Mance, c'est juste en face. Puis ça a été la fois où les pistes étaient les plus belles. Je suis pas allé voir sur le site, mais clairement que ça avait été travaillé mécaniquement parce que les traces étaient vraiment, vraiment belles, vraiment égales. Puis il y avait comme des mini traces, comme en ski alpin, genre quand ils viennent de le faire, qu'il y a une machine qui a passé, c'est des petites traces là. Il y avait ça comme dans le milieu, puis sur les côtés. Fait que je sais pas trop c'est quoi la machine qui fait les traces de ski de fond, mais. Ça doit être sensiblement ça, comme en ski alpin, puis mettons juste deux grosses traces qui sont pour les skis de fond. Puis c'était vraiment super beau comme piste. Puis c'est que c'était pas nécessairement en glace, parce que vu que c'est pas ouvert, que c'est comme juste des traces qui ont été faites dans la neige qu'il y a au parc, les traces étaient un peu glacées, mais étaient quand même profondes dans la neige. Fait que ça faisait juste comme plus glisser, mais tu suivais les traces quand même, tandis que sur le Mont-Royal, il y avait juste pas de traces. Je sais pas si on comprend, là. Fait que finalement, ça a été au parc Jeanne-Mance, puis il faisait vraiment froid. Il y avait un vent glacial. Il faisait pas tant froid que ça, mettons, dehors, mais quand tu pognais le vent, genre, ça faisait mal ici. Là. J'ai finalement monté mon cache-cou jusqu'à là. Puis, j'ai toffé une demi-heure quand même, mais comme quand je suis arrivé dans l'auto, j'avais vraiment froid à face. J'avais pas froid au reste du corps, encore une fois, j'étais bien habillé. Mais mon cache-cou, il était genre gelé, là. Comme je descendais, là, puis il y avait encore la forme de ma face. Tellement que j'avais comme respiré, puis que c'était froid. Fait que c'était vraiment pas chaud. Mais, bon. C'est l'hiver, hein, on est au mois de janvier, c'est pas surprenant. Puis je pense qu'ils annoncent pas mal ça une partie de la semaine. Là. J'ai vu des articles genre qui annonçaient des grands froids, puis comme cette nuit aussi. Fait qu'on n'y peut rien. Hein? Fait que moi je vais aller me coucher, puis on va se reparler demain parce que là j'ai pas filmé grand chose aujourd'hui. En fait, j'ai pensé en fermant ma caméra que j'ai écouté Big Brother ce soir qui était le lundi, puis
Ça va vraiment être bon, je crois. Comme tout le monde est déjà super dans le jeu, vraiment stratégique, ça va clairement être meilleur que l'année passée, là. Comme ça va être bon. Je pense vraiment que ça va être bon. Fait que, ouais, je vais assurément continuer de l'écouter. Si jamais vous l'écoutez, là, quand ce vlog-là va être posté, ça va faire au moins une semaine, là, parce que j'ai à peu près une semaine de décalage entre le moment où je filme et c'est sur YouTube. Mais si vous écoutez Big Brother, vous me laisserez savoir qu'est-ce que vous en pensez, c'est qui vos prefs. C'est quoi vos prédictions? Est-ce que ça va être bon? Est-ce que ça sera pas bon? Mais moi, je pense que ça va être vraiment pas pire. Once again, moi, au montage qui coupe le vlog en deux, parce que ça durait encore 30 minutes, j'ai vraiment du blabla ces temps-ci. On en profite quand que ça passe. Mais je voulais conclure le vlog parce que, comme je viens de dire, la deuxième partie va être en ligne sous peu. Fait que j'espère que vous avez aimé la petite vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un thumbs up, de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Puis nous, on va se revoir bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!